Comment voyez-vous la société d'aujourd'hui? Doit-on se laisser guider par un caractère de naissance? Ou pouvons-nous être qui nous voulons? Comment une personne peut avoir le courage de se dresser? Pourquoi tous ces changements? Dire ce qui pèse sur son âme. Que fait la loi pour l'aider? Que fait sa famille pour l'aider? Comment est-elle passée de Lila à Nathan? Je suis attirée par les filles. J'aime leur cul, leur sein, leurs cheveux. C'est beau une fille, surtout Faustine. Je ne suis pas normale. C'est quoi mon problème? Mes parents appellent ça ma crise d'adolescence. Ils sont mignons, mais ça m'aide pas. Qu'est-ce que j'ai, bordel? C'est quoi être un homme? Les étoiles, elles ont un sexe, les étoiles? Ce livre est sans tabou. Sur la couverture, nous pouvons comprendre le sujet abordé. À travers ce témoignage, cette BD dénonce les stéréotypes et autres harcèlements. Les lecteurs voient la souffrance de certains adolescents. Elle aborde la facilité de dissimuler ses émotions dans la société, ce qui explique la perte de contrôle émotionnel. Elle montre le point de vue des proches, du protagoniste et de la société dont on parle peu. Cet ouvrage peut encourager les personnes dans cette situation à parler, à trouver le courage de le faire, et finalement renforce l'estime de soi. Notre plaidoirie cherche à montrer que la justice aide ces personnes. Vous explique que ce livre parvient à communiquer les ressentis et les émotions des personnes en difficulté.